Bon, tout le monde, j'espère que vous allez bien ici auteur et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Animal Jam Play World. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment avoir 900 saphirs toutes les 5 minutes. Franchement c'est trop facile, faut juste de la luck. Comme là. Là c'est 1500. Vous allez vous dire, mais non, mais c'est t'achètes ça super cher. En plus, toi, tu les as vendus à 1250, à 1300. Oh non, bah, il y a déjà des autres acheteurs. Oh mon dieu, et moi, j'ai une connexion nulle. Et vous avez vu comment ça se vend vite. Et donc là, juste... Regardez, regardez! C'est une dinguerie. Et là, juste avant, j'ai tout simplement réussi à cop, donc récupérer une seule Wishing Coin à 900. Je l'ai revendue là à 1625 dans la minute. Et il y en avait tellement, mais j'ai pas pu à cause de ça là. À chaque fois quand j'achète, et puis après tout le monde achète, et donc je peux rien faire. Donc 1600, 1700, 1699, 1680, allez. 1680, 1680, allez hop, ça part. J'ai oublié combien je l'ai acheté, sûrement 1500, donc là ça me fait pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Si ça se vend, faut juste être en dessous du prix du marché, regardez là. Là, je vais avoir des gens et il y en a qui vont acheter. Deux. Oh, 1500. Vite, vite, ah, je ris. C'est une dinguerie. Allez, allez. Oh, j'ai pas pu acheter, dommage. C'est une dinguerie quand même, hein. We were the well like No more? No more? Non, you know, no? Non, ok. Et vous avez vu comment c'est rapide? J'ai trop le seum cet après-midi, j'ai du coup vendu à 1200, 1500, etc. J'aurais pu me faire tellement plus d'argent et tout. Là, vraiment, c'est la cote. Mais c'est tout simplement parce qu'en fait, tout le monde veut des wishing coins pour tout simplement. Oh non, c'est impossible, il va être vendu. Oh bah c'est mort. Ah oh, vas-y. C'est une dinguerie. Oh ce qu'il a eu, la chance. Mais donc voilà, tout le monde veut des Wishing Coins. Pour bah, vu que c'est l'arrivée, donc tout le monde en veut. Donc l'augmentation. On a donc une augmentation des prix des Wishing Points. Coins. On a donc l'augmentation des prix du dragon. Mais là pour le moment c'est en train de baisser. Et là on a l'unicorne, donc les licornes qui sont tout simplement en train de baisser et qu'on va voir là prochainement. Là j'ai déjà vu des licornes à 70, donc vraiment elles vont faire que de baisser, elles vont vraiment être attractives. Vous allez donc pouvoir en acheter plein. Non, c'est dommage. Ah. Vas-y, vas-y, ça bug à chaque fois. Bon, c'est pas grave, j'en ai eu une. Et là, du coup, je vais me faire 300 saphirs d'un coup. Regardez, mais c'est une dinguerie. C'est la meilleure technique, c'est la technique la plus rapide pour avoir des saphirs. Ou sinon, vous payez directement. Et en fait, faut toujours être en dessous du prix du marché. Vraiment en dessous, juste un tout petit peu pour vous démarquer, tout simplement. Et toujours regarder, hop. Là c'est moi, donc il va y avoir des gens prochainement. Les gens vont actualiser en fait la page. Et ça a été acheté. Oh, oh mon dieu. Oh, c'est je vais faire que ça pour le moment. Uniquement de relancer, ou sinon vous devez essayer de trouver des gens
C'est-à-dire que vous essayez de voir des gens. Est-ce que ça te dirait de vendre le Wishing Coin pour 1400? Le mec, il va être content et tout. Et au final, vous vous faites une marge de 300. Alors, c'est déjà pas énormément. Enfin, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Hein. Oh, Asturie 09. Ah, mais lui, il a encore acheté parce qu'il s'est dit. Oh! Oh, c'est mort. C'est mort. Ah ouais, mais il s'est dit, c'est maintenant, c'est aujourd'hui ou jamais. I don't got it, j'aurais dû mettre, parce qu'on get. Ah ouais, purée. Moi j'ai pas une super connexion, j'ai le seum, ça me rend fou. Ah, 1500, il se fait de la main. Les gens qui... Oh, vas-y, ça m'énerve. En plus, les gens qui achètent, c'est tout simplement pour leur bien à eux, donc tant mieux. C'est-à-dire, il n'y en a pas plus, il n'y a pas d'autres concurrences et tout. Parce que les gens, ils vendent au pire à ce prix-là, quoi. C'est assez cher. Juste 50 moins, 50 en moins, les mecs, ils achètent, hein. C'est ça qui est fou. Mais là, c'est la révolution, hein. Allez, une dernière. Oh, bon. T'as les mecs, ils sont trop rapides. 45 pour gagner 5 de saphir. Bon. Bon, je vais pas le faire. Ils essayent de, comme vous pouvez le voir, de se démarquer pour vendre. Mais comme vous pouvez le voir, ça se vend pas vraiment. C'est pour ça qu'il faudrait, si vous voulez vendre par exemple à ce moment-là, il faudrait vendre à 1680, 1600, 1600, ouais, 1700, 1700, c'est bien. C'est 45 en moins, les gens sont contents. Allez, une petite offre à 1300. Alors n'oubliez pas, hein, mettez le prix le moins cher. Comme ça au moins vous avez directement dans la page d'accueil. Oh non. T'as 1700, c'est nul. Allez, donnez-moi des 1000. 1350, 1350, 1350. Non, non, j'ai perdu le monopole. Oh bah là c'est foutu, avec le nombre de gens. Oh mon dieu. Allez, ça me vit. Non. Oh dommage. Bah là, il y a tellement de gens. Oh mais regardez sa boutique, elle a été dévastée. Ok, donc tout à l'heure, là, j'en ai juste une à 1500. Ça veut dire que là, je suis en train de la vendre à 1680. Je sais pas si ça a été vendu. Non. On va essayer de vendre à 1650. Sauf celle-là. On va la mettre à 1650 quand même. À 1680, je la garde à ce prix-là, je m'en fous. Ensuite, vous faites ça. Comme ça, au moins, les gens, ils viennent dans votre shop. Et ensuite, ils achètent les autres. Vous avez compris? C'est une technique de rat. Allez, s'abuie, 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 s'abuie. Oh, les mecs, ils sont pauvres. Non, non, j'abuse. Quoi?
J'ai déjà rentabilisé, mais what the fuck? J'ai gagné 600 à peu près là. Non, c'est une dinguerie. Wishing Coins. Ah, c'est la meilleure méta. C'est la meilleure méta qui existe. J'aurais pu le vendre à 1700 et tout, mais vas-y, 1650, tant que ça vend vite, tant que je me débarrasse. Au moins, je me suis fait un super profit quand même. Et franchement, c'est abusé. Les gens, ils achètent, hein. Animal Jam, ils doivent se régaler avec les Wishing Coins. C'est la meilleure option dans le jeu. C'est vraiment mieux que tous les autres bundles et tout, hein. Tout le monde achète des Wishing Coins. Mais c'est comme des œufs, en fait. C'est un pack opening, quoi. Et ils ont mis, en fait, un système de rareté. Avec des simples, des rares, des épiques, des légendaires. Et donc, c'est tellement intéressant. Il y a des galaxies, tu peux avoir... des cheveux rainbow, tu peux. Enfin, vraiment, il y a tellement de caractéristiques et tout que les gens ils achètent pour tout simplement avoir plein de caractéristiques et tout. Parce que c'est le hasard et c'est comme les casinos et tout. Les gens ils aiment l'aléatoire et ils pensent et ils veulent tomber sur des bonnes choses. C'est l'espoir. L'espoir de gagner l'auto quoi, mais en même temps heureusement que moi je les ai vendus mes wishing coins, parce qu'en vrai j'aurais pu avoir que des trucs nuls, alors que là j'ai pu assurer à les vendre tout à l'heure à 1250. Bon, maintenant je regrette parce que du coup ce soir le prix a complètement flambé, le prix maintenant est à 1700, l'inflation est passée par là, hein. Mais bon, donc ceux qui veulent avoir beaucoup de saphirs, ils ont juste à acheter là avec leur argent et ça y est quoi. I'm too fast, I'm too fast. 1299. Et regardez, je vais revendre ça à 1206, bah 1650. Ah, il en reste deux. Allez, on va le mettre à 1680 parce qu'on est des gros rats et que les gens, on sait pertinemment que les gens ils vont acheter. Voilà, ils ont acheté. Et voilà, bah voilà, bah voilà, j'ai gagné 30 saphirs en plus. Et là, je suis à 110 000. Je suis tout à fait à 110 000. C'est une dinguerie quand même. J'y suis passé là en 20 minutes de 108 000 à 110 000. Non. Vraiment, faut juste actualiser en plus, c'est trop facile.